la première fois sur cette scène du Stunfest. C'est un match totalement inédit dans un tournoi solo Street Fighter 4. C'est parti, mesdames et messieurs, c'est la finale winner. Justice contre Luffy, allez! Luffy Ultra 2, Justin Wong Ultra 1, évidemment maximum de dégâts, toujours ses capacités à montrer et à essayer de casser toutes les options select de Deshop de Luffy. Et Luffy qui a eu beaucoup de problèmes dans le striking, regardez, balayette en vent, oui je punis balayette. Il fait exactement la même chose à Valmaster et un très bon petit point qui a évité de prendre une dive kick, mais il prend quand même celle-ci avec le dive kick en pointant dans le... Wow! Premier Stunfest d'encaisser et Luffy qui n'a pas vu sa barre se vider. 3 BNB, quelques attaques. L'unico du chambouille et la barre s'est vidée et tout est parti sur cette balayette puis finish. Je sais pas comment Justin Wong est bien fait pour réussir à voir ce genre de truc, mais ça semble assez fou. Dive kick et là il passe la chope. Chope avec énormément de dégâts. D'habitude Luffy déchoppe, mais là c'est très compliqué de déchopper. En plus que la dive kick casse aussi la spirale. Justin Wong il est en feu. Il va stunner pour la deuxième fois consécutive. Le pauvre Luffy qui n'en peut plus. S'il vous plaît, lancez moi de là. Ex-Sutro et l'Ultra 2 avec l'expression provoque. Ok, hein. Et le deuxième qui reste là, il va le sacrifier. Non, il va pas le sacrifier. Il reste un satellite, il y a les potes pour empêcher que Luffy se décale et chope. Et le Specia, il est tout simplement génial. C'est flippant ce que tu fais là, Justin. Ça me fait très très peur, hein. Très très peur. Il est en difficulté, hein, Luffy, en grosse difficulté. Une difficulté évidemment symbolisée. Regardez encore une fois ce whiff finish balayette, ça veut rien dire. La kick shop, Luffy qui n'a pas de déchop et qui prend encore eh bien, l'agression perpétuelle. Les backdash n'arrivent pas à se le mettre assez à distance pour éviter eh bien, les dive kicks répétés, mais très intelligemment espacés de Justin Wong. Et Ultra 2 qui est sorti pour essayer de gratter l'air en sous-spark, surtout essayer de consommer et de construire de la barre de super. Elle focus avec pas moyen double touche, mais là encore, ça a touché sa balayette. La fin de la dive kick, il y a shop derrière. Badash, il est encore agressé, focus Badash, il fait ce spirale, c'est pas safe. Et Justin Wong qui a la garde, c'est pas possible, il voit tout, il sait tout. Mais arrêtez-le, qui peut le stopper? Et la bonne chop pour le remettre dans le coin. Il vote encore, mais Justin Wong qui s'est déjà pris la phase de round d'avant, va pas se la prendre encore une fois. Et succession de sous spark avec un sous satellite qui est là. Est-ce qu'il va pouvoir le rentabiliser? Oh là 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 là. Mais mes amis, mais ça c'est pas bien, hein. Ça faut pas faire, hein. Là sincèrement, si Justin Wong gagne comme ça, il gagne sans aucune contestation possible. Il est juste totalement plus fort, il a juste tout compris à Rose. Très magnifique, lui finish à la glissade. À part la balayette encore une fois, et encore une ouverture à cette dive kick. Et encore une option select balayette derrière ça. Et Luffy qui est obligé d'accélérer le cancel pour avoir le temps d'utiliser l'Ultra 2. Cet Ultra qui va peut-être le permettre de choper, mais Justin Wong s'attend, il saute en arrière. Qu'est-ce qu'il est malin. Même s'il s'est touché, ça c'est pas combo. Et Luffy est obligé de backdasher, il prend quand même pas gros pas en cutter, hein, pour le maximum de dégâts. Compliqué cette focus, compliqué d'utiliser cette focus. Enfin, regardez ça, il était prêt à casser la spirale par une nouvelle dive kick. Justin Wong qui a sa barre de super quasiment chargée. La barre de trois quasiment chargée. Officiellement, ça veut dire quoi? Une ouverture de garde. Et Luffy prend la mort dans la tête. Justin Wong, il est encore en vie, hein. Cela dit, Luffy, tous les espoirs sont pas finis, mais les espoirs sont cloués par cette nouvelle dive kick. C'est violent, sincèrement. On passe pour des sacs finis. Là, on peut accuser personne, hein. Là, c'est juste Justin Wong qui a compris. Je sais pas ce qu'il a compris, je sais pas ce qu'il a vu. Mais si vous regardez la qualité des réflexes, la qualité de l'anticipation, Luffy, dont le jeu principal consiste à s'emparer de l'esprit de son adversaire, eh bien se voit et son jeu complètement lui être renvoyé à la figure. Justin Wong arrive tout simplement à mieux anticiper que Luffy ne le fait